Hey, oh, ici nous. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Boom Beach Frontline. On va essayer une nouvelle troupe que j'ai pas encore essayée, que j'ai débloquée cette semaine, mais que je n'ai pas encore joué. Je vais le faire avec vous en vidéo, je vais vous donner mon avis à chaud et à froid. Et puis écoutez les petits potes, on perd pas plus de temps et on est parti, let's go. Tout d'abord les petits potes, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de Boom Beach, de ce que vous avez vu de, sur mes vidéos, sur les autres vidéos. Qu'est-ce que vous en pensez sincèrement? Et puis écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos sur Boom Beach Frontline. Et puis écoutez les petits potes, on est parti, let's go. Nous voilà sur Boom Beach Frontline. Alors là j'ai des coffres journaliers gratuits. Ok, donc des pièces. Ok. Pas de nouvelles troupes. Et là, pas de nouvelle troupe également. Ok. Donc la troupe en question dont je vous parle, c'est Flammeur, la lance flamme. Alors je l'ai upgrade, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Sachez-le bien. Ok. Je vais vous donner mon avis. Jusqu'à maintenant je trouve qu'elle était cheat quand j'en avais en face de moi. Donc je vais voir ce qu'elle donne réellement. Vas-y, on est parti. New opération. Allez, on passe sur la carte. Opération info. Viber strike. Ok. Donc les deux zones elles sont complètement à l'opposé. On va voir ce que ça donne. C'est parti, let's go. Ok, donc les potes, qu'est-ce que je tire comme carte? Ok, donc là j'ai toutes les items. Point positif. Alors on va prendre Flammeur, elle est niveau 3. Je ne sais pas ce qu'elle donne. Franchement, je vous le dis en toute honnêteté. Ça se trouve elle est nulle. Ça se trouve elle est overcheat, on verra bien. Allez, c'est parti, let's go. On va prendre la petite troupe là, les Grange. On va aller capturer le point A. Allez Johnny, viens avec moi, let's go. On va balancer les troupes. Ok. Donc eux ils sont partis prendre le point B. Allez, on capture. Je vais rien pouvoir build pour le moment. J'ai que 500 de ressources. Ok. Oula, 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 oula. Oula. J'ai les 3 tanks qui sont arrivés sur moi là. J'ai rien compris. Allez, on repart avec Flammeur. On reprend les troupes. Par contre là ils arrivent en masse sur notre point et j'aime pas du tout ça. Ok, ça meurt. Ils sont en train de taper notre tourelle. Aïe aïe aïe. Ok, on a réussi à défendre. Ce qui serait bien, ça serait d'aller attaquer leur tour. Allez vas-y, on met la patate. Vas-y, 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 vas-y. Je mets que du 800. Ou plus. Ouais, non, je mets du 860 grand maximum, ok. Oula, oula, la tourelle. Allez. Parfait, elle tombe. On va capturer le point. Allez, let's go. Ah, par contre, ils font vraiment mal à notre tourelle. Je vais mourir. En plus, il n'y a pas de healer là. Pas moyen de récupérer de la vie. On va faire avec. Allez, on va mettre le lance-patate. Parfait. Ah, à 2 secondes près. Hein. À 2 secondes près, on avait win.
Moi je vais mourir, ça c'était sûr, de toute façon j'étais gigalo. Ils ont pas encore capturé le point A. Moi je vais tout de suite y aller. Y'a pas moyen de prendre un véhicule là? Si, let's go. Ok, parfait. Franchement, j'y aurais pas pensé qu'avec les véhicules on puisse faire des dégâts. Allez, ça, je pense qu'on a win. Hein. Allez, je fonce dans le tas. Oh non! Les missiles aériens. Ouh, c'est bon. Je résiste, je résiste, je résiste. Ok, c'est bon, j'ai résisté. Ce qui serait bien, ce serait qu'on y retourne très rapidement là. On va les déployer ici, les troupes. Ok, donc là, je fais des dégâts à tout le monde. Je perds la vie très rapidement, je trouve. Hein. Ah là là. Allez. Let's go. On va reprendre les petites troupes. Hein. J'aime bien les jouer. Je trouve qu'en soutien, c'est vachement pratique. Allez, je vais les déployer là. Le compte à rebours est lancé. Et je pense qu'on a win du coup. Parce que nous, on a notre toile qui est encore debout. Et du coup, c'est la victoire. Let's go. Ah, ok. Ah, trop content. En plus, du coup, je suis numéro 1. Meilleure conduite. Et du coup, j'ai l'étoile du meilleur joueur de l'équipe. Plus 3 étoiles. Ah non, plus 5 étoiles. Ah ouais. Good job, donc du coup j'ai une caisse rare. Ok, donc petit pack opening pour finir cette vidéo, attention. Attention. Ok. Est-ce que j'ai une nouvelle carte? Non. Oui. Nouvelle carte et j'ai la flamme strike. Alors cet item je le connais pas. On va aller voir après. Du coup, lance patate. On va pouvoir l'améliorer. Let's go, niveau 5. Et du coup, j'ai débloqué Flame Strike. Donc, du coup, ça fait 97 de dommages. Ok, donc sur les armures, ça fait 49. Le nombre total que ça peut faire 1840. La durée, c'est 19. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Bah c'est great, je suis content. Ok, cool. Bon, bah les petits potes, qu'est-ce que j'en pense de Flamus? J'en pense que elle est pratique quand vous avez une masse d'ennemis qui arrivent en face. Je trouve qu'elle est vachement pratique dans le sens où bah du coup faites des dégâts à tout le monde et pas seulement à un seul joueur. Donc si vous avez 3 joueurs devant vous qui sont low, bah pas besoin d'en tuer un pour en tuer un autre. Seulement, bah, vous visez dans le tas et du coup, vous leur faites tous des dégâts. Et donc, non. À surveiller de très près ce personnage. À surveiller de très près. Parce que du coup, au niveau des dégâts de zone, elle est plutôt pratique, je trouve. Écoutez, les petits potes, si cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, du coup, ce que vous pensez de Bomb Beach Frontline. Moi, je suis hype, mais vraiment hype, qu'ils nous rajoutent des mises à jour et qu'on puisse y sortir pour qu'on puisse jouer ensemble. Parce que c'est ça que vous me demandez le plus. Les petits potes, si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, le petit commentaire, abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était Psytrag. Bye bye.